sacrifier, ne pas qu'à écrire. Université, nous commençons à apprendre à écrire vrai créole. Nous mettons plutôt un mot devant pour définir la quantité. Par exemple, mot ban. Et finir à apprendre qui tout ban lettre prononcer. Tout lettre qui nous tendait, nous a écrit les pareil. Tu as envie de connaître comment pour écrire les. Il arrive là aussi que Maurice gagne sa langue maternelle comme sa langue officielle. Allô tout le monde. Dans sa émission-là, nous fin cause le règlement 5, lié et qui crée consonne. Nous fin trouver qui était consonne simple et qui était consonne transparent. Et aussi, nous fin cause le ban fonction particulière qui ban consonne ena. Nous dit dans deuxième partie, règle 5, lié et qui crée créole mauricien, nous parle qui était ban digramme et aussi qui façon qui ena ban traitement ban consonne dans créole mauricien. Là, nous pouvons trouver la troisième partie, règlement numéro 5, okay, donc, qui m'ont rappelé les consonnes ban consonne. Donc, règlement 5.3 dit qu'il y a aussi ban consonne qui est représentée par des lettres en même temps. Et ça, il y a un terme technique pour désigner ça, appelle ce ban digramme. Okay? Et ban digramme, nous pourrions trouver dans ban mot comment gagner et pagne. Digramme, là, les consonnes sont mieux. Qui nous pour écrire li, nous pour orthographier li avec GN, comment Yannick peut écrire le tableau. Donc GN, un digramme pour écrire son mieux, commandant gagner, gagne, gagner, commandant pagne. À cela, nous prend les GN, nous inverse, qui nous prend GN, nous inverse de position, qui nous gagne. Ing. Exactement, ok. Nous gagnons un autre cas digramme NG pour son ung, commandant long. Pas prononcer autant, mais là vous exagérez la prononciation, là vous comprenez. Long et meeting, ok. Donc, nous pouvons écrire ban mot comme nous pouvons ban son ung, comment long, comment meeting. Nous pouvons écrire ce ban mot là avec NG. Ban mot que nous stans sont mieux, nous pouvons écrire ça avec GN, commandant gagner, commandant pagne. Un autre exemple digramme, c'est digramme XS. Nous cause X talent là, les X talent là. Donc il y a un cas que nous toujours nous pouvons servir sa digramme XS. Et en fait, un petit truc qui cave et pour faciliter sa compréhension là. C'est nous pour servir ça dans le mot comment exciter. Alors, exciter en créole mauricien de l'écrit E-X-S-I-T-E. Exception, E-X-S-E-P-S-I-O-N. Donc, ça va le mot là, exciter, exception, nous pouvons écrire ça avec X-X-S. En fait, en français, nous, tu peux écrire ça avec X, C. Mais, je connais, on trouve l'italien là, les C n'ont pas existé dans le créole mauricien comme on l'existait dans les autres langues. L'existait dans le créole mauricien pour le pouvoir le cas bien spécifique. Donc, puisqu'il nous paraît trouve C autant, et qui de toutes les façons qui ça sont là, c'est nous prononcer S, donc nous écrivons avec un S. Ok? Donc, exciter, exception, écrit avec digramme XS. En fait, nous avons pensé ce mot-là en français. Si en français, tu peux avoir lettre C, mais quand lettre C là, lui fait son S, lettre là, nous en créole, nous pouvons mettre lui S. Nous pouvons bien S parce qu'il nous donne son S, justement. Ok? Donc, on pourrait dire exciter en français EX. C-I-T-E accent aigu. En créole mauricien, nous peina C, mais nous donne son S, donc nous écrit un lien avec un S, avec digramme X-S, excité, exception. Et dis-moi, quand je trouve ça un mot-là, je dis excité, exception. Oui, effectivement. Alors, ça réflexe là, il faut venir un petit guide depuis français, que en français, il y a une règle qui dit que quand on gagne son S en deux voyelles,
Même si là nous prenons deux voyelles, quand nous gagnons son S en deux voyelles, nous ne prononçons pas S, nous prononçons Z. Ok? Donc, là nous gagnons, ça c'est un syllabe, X. Ça c'est un autre syllabe, SI. Et ça c'est un autre syllabe, T. Bon. SI, il fait SI, il va faire ZI. Alors là nous gagnons 3 digrammes, donc une consonne double qui m'a son sein. À ça nous gagnons encore 3 digrammes. N qui nous retrouvait souvent en créole mauricien, c'est digramme NN. Comme dans le mot ban, sen, fin. Ok? Alors, en créole mauricien, si nous écrivons B-A-N, il nous donne nous bon. Ok? Mais pour nous gagner ça, son ne, ban, nous écrivons D-N. Ok? Donc, ba, ban, b-a-n, quand nous ajoutons encore n, n, livin, ban. Ok? Fin, f, f-i-n, li fait fin. Quand nous ajoutons n, un deuxième n, livin, fin. Quatrième digramme qui nous peut guetter, c'est son tch. Son tch qui nous peut écrire avec CH. Même cause de l'être C, là, c'est un cas que nous pourrions trouver l'être C en créole. En fait, il y en a quelques exceptions que nous pourrions trouver l'être C en créole. Donc, tch, commandant tchaké, commandant kucha. Donc, quand nous tenons ça, tch, tch, nous écrivons li, CH. Ok? Et un autre digramme qui ressemblait à un tigit tch, c'est digramme ch. S-H Shopping Cash. Alors, si vous payez cash quand vous avez fait shopping, alors comment vous avez écrit hein? Ouais. Ça va être bon. Donc, shopping S-H-O-P-I-N-G. Nous retrouvons l'autre digramme qui nous trouvait à la ing. NG que nous trouvons en deuxième talella, ok? Après cash, K-A-S-H. Et nous avons une petite affaire par rapport à mot cash. Souvent nous disons que nous ne disons pas cash, nous disons casse, donc c'est le mauricien. Mais par contre, quand nous disons que nous avons payé l'affaire, cash, nous avons payé cash, par un nouvel chèque. Exact. Donc, c'est précis. Voilà, effectivement. Là, nous ne pouvons pas dire casse. Alors, des voix qui nous peuvent donner pour la semaine prochaine, c'est la peine, la sirène, et Paul. Quatrième partie, règlement numéro 5, que nous pouvons ben, les autres points qui visent à noter le traitement de consonne dans le créole mauricien. Première affaire que nous pouvons guetter, c'est son F. Donc, son F dans le créole mauricien est représenté tous les temps par les F examinés par PH comme on guettait en français et anglais. Nous guettons les trois exemples. Par exemple, nos photos, qui nous peut écrire avec PH en anglais et en français, nous pouvons écrire li avec F en créole mauricien. Un autre mot, par exemple, philosophie. Un autre mot, pharmacie. Un autre mot, phare, qui nous pouvons écrire avec PH dans anglais ou bien français. Mais dans créole, nous pouvons écrire tous les temps les F. Un autre cas que nous trouvons qui créole est facile d'écriture, c'est par rapport à l'être G. Ok? L'être G, en français, nous pouvons servir dans des cas. Quand l'être G peut servir pour prononcer son G ou bien son je. En créole, il y a un seul cas que nous pouvons servir l'être G, c'est pour son G. Okay? Par exemple, G commandant la guitare. Okay? La guitare. L-A-G-I-T-A-R. En français, nous pouvons écrire G-U-I-T-A-R-E. Là, nous n'avons pas besoin de U là, mais nous n'avons pas besoin de U parce que directement, les G, ils font ça son G là. Ok? Par contre, pour le mot, par exemple, le mot âge en français, quand nous pouvons écrire li avec un G, en créole, nous ne pouvons pas écrire li avec un G, qui va pas exister d'ailleurs dans sa fonction là. Ok? Donc, nous pouvons servir les G seulement dans ma carte, nous vous donne son G et pas son je. Okay.
Alors, comment tu peux trouver l'écriture créole est bien basée dans ce qui nous tendait. Alors, notre exemple, c'est son cœur. Ok? Son cœur, en créole, nous pouvons toujours écrire lié avec les cas. Contrairement à français, que son cœur, comment je connais, en français, son cœur, parfois nous pouvons écrire lié avec un C. Ok? Par exemple, cuisine. En français, nous pouvons écrire avec un C. Son cœur, nous pouvons écrire aussi avec les Q en français. Par exemple, qui, que, quoi. Okay? En créole, c'est simple. À comment nous donne son cœur, nous écrire avec les K dans le créole. Pas pour servir les C et pas pour servir les Q, comment nous servir en français. Le dernier cas qui nous pouvons guetter, c'est exception pour le traitement les C. Alors, comment nous venons trouver depuis le commencement à l'émission, les C y apparaissent dans certains contextes. Okay? Les Q n'y pas exister. Prenez dans le créole, c'est les K. Okay? Mais les C, nous pas servili comme nous pouvons servili dans le français, mais quand même, il existait dans certaines exceptions dans le créole. Okay? Et comment nous trouver, tout à l'heure, les C nous pouvons servili dans le digramme CH. Okay? Comment nous trouver, tout à l'heure, tchaké, tchalta. Et aussi, ben, le mot symbole, comment CD, un CD donc, qui nous met la musique, okay? Nous pouvons écrire les CD, les C avec les D. Ok? Qui ne faudrait pas confondre avec le mot CD, c'est dans les affaires du monde. Okay? Comment nous pouvons écrire les CD, c'est dans les affaires avec un du monde? CD. S-E-D-E. Ok? Tous les dés prononcés pareils, pour ne pas faire confusion avec NCD, nous pouvons écrire li CD, alors que le verbe CD, nous pouvons écrire li SEDE. Okay? Même affaire pour un autre mot, à partir de CD, NCD-ROM, okay? Ou bien NCV, pas CV qui n'a dans la tête, non, mais curriculum vitae. Okay? Donc, quand il y a un, quand j'ai besoin de répondre à un appel à candidature, j'ai besoin de vous autres. CV. CV, nous pouvons écrire lié avec les C. Donc, c'est un mot assez rare. Voilà. Les C, lié un lettre qui est assez rare en créole mauricien que nous pouvons servir dans une exception, dans un cas exceptionnel comme vous trouvez là. Sinon, c'est lettre S. Quand nous donnons son S, nous pouvons écrire lié avec lettre S, pas écrire lié avec lettre C. Alors, dans l'IA et créole mauricien, donc, nous finissons cause dans sa démission-là, le règlement 5. Il est un peu plus long que d'habitude parce qu'il quand même, il demande beaucoup d'explications. Et j'espère qu'il, pareil comme à moi, pareil comme à tous les élèves ici dans la classe, nous finissons apprendre encore plus le nouveau règlement la langue créole mauricien. C'est ici qu'il nous peut mettre fin à sa cinquième règlement-là. Alors, avant nous finir, comme d'habitude, nous avons un petit voir qui ban professeur pour donner autres aujourd'hui. Donc il y a ni mori ou na un petit devoir qui pour donner donc nous ban téléspectateurs le sa règlement 5 là qui est assez long. Devoir qu'ils étaient là pour faire pour la semaine prochaine, c'est écrire phrase qui pour donner autres en créole, ça veut dire pour besoin traduire les. Premier c'est le téléphone sonne et deuxième je pour besoin écrire la guerre entre les candidats. Ça veut dire que vous pouvez mettre ça des syntagmes là, ça des phrases là en créole mauricien. Un, le téléphone sonne. Et deuxième, la guerre entre les candidats. J'espère que vous avez bien compris tout ce qui nous finit explique par rapport à règlement numéro 5. Nous pouvons finir avec ce règlement là aujourd'hui et que nous pourrons prendre avec règlement numéro 6 la prochaine fois. Merci Yannick Maury. Merci Dr. Yannick Bosquet. Merci à tous les élèves. Et merci aux téléspectateurs qui finissent avec nous pour lire et écrire créole mauricien aujourd'hui. Nous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine, comme Yannick dit, pour un prochain règlement, donc le règlement 6 cette fois-ci. Donc bonsoir et au revoir.